Ce mercredi, le CSA jouait Créteil en quart de finale de Coupe de la Ligue, un match qui pourrait être lourd de conséquences pour l'équipe savoyarde. En effet, à peine une minute après le coup d'envoi, Xavier Barrachet se blesse au muscle long péronnier latéral. Malgré cette absence, Chambéry domine et garde un écart conséquent à la fin de la première mi-temps. Pendant la deuxième mi-temps, Créteil essaye de refaire son retard et viendra jusqu'à 2 buts d'écart de l'équipe de Chambéry. Malgré cette victoire, des difficultés persistent, comme nous l'explique le capitaine du CSH, Laurent Busselier. Les matchs comme ça, c'est un peu notre mauvais côté du début de saison, où on n'arrive pas à creuser vraiment l'écart et se mettre à l'abri pour en gérer. Et là, on est toujours à 3, 4 buts, 5 buts d'avance, et inconsciemment, on se déconcentre un petit peu, on bafouille notre handball. Et les équipes reviennent progressivement et commencent à y croire en disant qu'il n'y a que 2-3 buts, pourquoi pas. Et puis ça commence à devenir un peu problématique, un peu plus agressif aussi, on l'a vu. Et c'est vrai qu'il faut pas que ça nous joue des tours en tout cas, parce que si on commence à perdre des joueurs maintenant, ça risque d'être difficile entre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de la Ligue, Coupe de France, enfin toutes ces compétitions qu'on a régulièrement l'habitude de jouer. Il va falloir faire le tri et être bon, donc avec un ou deux joueurs en moins, ça peut être compliqué, donc malheureusement on est contraint à ça. L'année dernière, les années d'avant, c'était un petit peu la même limonade, donc à nous d'essayer de faire mieux, de gagner nos matchs un peu plus proprement et un peu plus tôt, on va dire, dans le match, de tuer le match assez tôt pour pouvoir faire nos rotations, être un peu plus frais et pouvoir économiser un petit peu toutes les pièces maîtresses.